Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau haul Action. Donc oui, je rentre de chez Action et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous montrer mes petits achats. J'ai pas forcément trouvé de nouveautés. Je suis allée au Action à côté de mon travail avec ma fille puisque je suis de repos, donc je profite avec elle puisque le chéri a repris le travail, donc du coup je profite. Il y a toujours les règles d'hygiène, etc. dans ce Action là. C'est pour ça que j'y suis allée, puisque dans les autres, comme je vous disais, dans l'autre Action, ben voilà, les règles c'est pas respecté. Donc du coup je suis allée à celui-ci. Je pense qu'ils n'ont pas été livrés encore parce qu'il y avait des rayons qui étaient quand même assez vides. Du coup j'ai été chercher des petites bricoles que j'avais besoin. J'ai des choses que j'ai pas trouvées, donc je suis un peu déçue, mais j'y retournerai, c'est pas très grave. Donc je vais vous montrer tout ça. Je suis ressortie avec une poche comme d'habitude, mais avec des choses utiles. Donc c'est parti. Pour commencer, je vous montre cette grosse chose. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un gazon artificiel en fait. Mais je crois que c'est du synthétique si je dis pas de bêtises. Oui, gazon synthétique. Donc il fait 1 mètre sur 2 mètres. J'en ai pris qu'un. Je vous mettrai les prix en bas de l'écran. Franchement, il n'était pas cher du tout. Je verrai si j'en ai besoin d'un autre. Je veux tout simplement faire un petit espace au niveau de sur ma terrasse en fait pour ma fille pour cet été, parce que nous on a une terrasse avec des choses en bois. Donc oui, je regarde là-bas parce que je suis en face de ma terrasse, parce que comme vous pouvez voir, je suis dans mon salon. Hein. Et en fait, c'est des trucs en bois, mais j'ai peur qu'elle se fasse mal aux pieds, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas lui faire un petit emplacement avec ça pour qu'elle puisse dessiner ou jouer ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'en ai pris qu'un. On verra ce que ça donne. Au pire, j'en rachèterai d'autres. J'en avais plein. Vu que c'est la saison, je pense qu'il y en aura d'autres. Alors, pour continuer, je me suis repris un gel à raser comme ça, puisque j'ai terminé le mien. Il est bien. Après, moi, je trouve qu'il mousse pas assez, parce que c'est du gel à raser, mais qui mousse normalement quand on fait, enfin, quand on le met sur la peau. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mousse, donc je verrai si je teste les gilettes, mais pour l'instant, j'ai repris celui-ci. Il fait 200 ml, il est à l'aloe vera. Après, il est super bien, il rend la peau douce, donc ça, ça me va. Ensuite, j'ai pris des petits livres de coloriage pour ma fille, puisqu'elle les a choisis. Donc, il y avait Mini, La Reine des Neiges, où il y avait encore le livre de la jungle, mais elle a choisi ces deux-là. Donc, c'est tout simplement des petits livres à colorier, comme ça. Donc, elle aime bien ça. Bon, elle en a plein, hein, mais bon, elle a voulu choisir ça. Je ne sais pas de combien de pages il y a, mais voilà. En tout cas, elle s'amusera avec ça. Je lui ai pris également des crayons de couleur. Si je les retrouve par là, je vais vous les montrer de toute façon. On continue avec ceci. Donc, je me suis pris une espèce de porte-manteau qu'on met à la porte. Alors, j'en ai pris qu'un parce que je ne sais pas si... En fait, je vais le mettre sur la porte de ma fille. Mais il faut que je voie si la porte, elle se ferme, si ça ne bloque pas en fait. Et du coup, j'en ai pris qu'un pour tester. Au pire, je peux le ramener puisque j'ai 8 jours. Mais on verra bien. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6... crochet pour pouvoir mettre les vestes, les manteaux, etc. Et je trouve ça plutôt pratique de les mettre sur la porte. Donc j'espère que ça fermera, mais en tout cas voilà, il y avait ce modèle, il y en avait un en métal avec un peu plus de dessin, mais l'espèce de crochet ici était beaucoup plus épais et j'ai eu peur que ça rentrait pas sur ma porte. Donc du coup j'ai pris celui-ci, on verra. Ensuite j'ai repris des recharges pour mes diffuseurs Airwick. Donc j'ai pris cette marque là donc ça c'est les nouveaux qu'ils avaient fait. Bon, il y a un petit moment déjà, mais je les ai repris parce que la senteur est vraiment trop bien. Donc, c'est à l'oriental. Il y avait aussi le bleu, mais je crois que le bleu, c'est à l'air pur, un truc comme ça. Mais ceux-là, ils sentent hyper bon. Donc, j'en ai repris deux. Je vais y arriver. Pour pouvoir recharger les deux diffuseurs que j'ai. Ils ne sont pas chers du tout en plus. Donc, voilà pour ça. J'ai ensuite repris un câble de chargeur comme ça, puisque moi, le mien, il commence à casser. Alors, par contre, ça fait un moment que je l'ai. Donc, moi, je trouve qu'ils tiennent super bien. Donc j'ai pas de souci avec ça. Là j'en ai repris un de 2,50 m, donc pour mon Samsung. Il y avait bien sûr pour iPhone, etc. J'ai pas forcément fait attention à la couleur. Je sais qu'il y en avait d'autres, mais bon voilà, moi il m'en fallait un, donc j'ai pris celui-ci. Et 2,50 m, c'est ce que j'aime quand je suis dans le canapé ou quoi. C'est très pratique. Ensuite j'ai repris pour ma fille ses chips favoris. Donc j'en ai repris deux paquets, il y en a un qu'elle a déjà ouvert. Donc c'est les espèces de pommes bar superstar. Elle les aime vraiment beaucoup. Du coup j'en ai repris deux paquets. J'ai ensuite repris un petit truc comme ça pour les toilettes, parce que pareil j'en ai plus. Donc j'ai pris le Domestos pour tester, parce que c'est vrai que je prends soit la marque fine, je crois super fine, où il y avait une autre marque, mais je ne sais plus laquelle. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester celle-là. Donc, c'est une Power 5. Il y a 5 effets dessus. Je l'ai pris au citron et citron vert. On verra bien ce que ça donne. Mais après, tant que ça lave les toilettes, ça me va très bien. J'ai repris ensuite mes cotons démaquillants. Je refais souvent le stock à chaque fois que je vais chez Action. Et bien, je les prends. Au moins, comme ça, je suis sûre d'en avoir. J'ai repris des petites éponges comme ça, rien d'intéressant, mais j'en ai presque plus et c'est ceux que je préfère. Par contre, ils ont augmenté de prix. Ils sont pas du tout au même prix qu'avant. Ils sont, ouais, ils sont presque à 1 €, alors qu'avant, ils étaient à 77 centimes, je crois. Donc, ça a augmenté un petit peu chez Action.
J'ai repris, comme d'habitude, les lingettes pour ma Fifi. Donc, je lui ai pris ceux-là. Donc, c'est toujours les mêmes, les Teddy Car. Il y en a 42 dedans, 0 parfum. Et c'est pour les mains et le visage. Donc, j'en ai repris 2 paquets pour pouvoir faire le plein. J'ai également testé, enfin, j'ai également pris cette chose pour tester. C'est un gel douche pour les enfants. Donc, celui-ci, franchement, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, c'est toujours la marque Teddy Car. C'est un gel bébé gel lavant à l'aloe vera. Donc, ouais, ils sont super bons. On verra bien ce que ça donne. Il y avait aussi shampoing et aussi un espèce de pousse-pousse. Mais bon, je testerai celui-là. On verra bien ce que ça donne. Il fait 300 ml et il n'était pas cher du tout. Ensuite, je me suis laissée tenter par ce lot de petites choses pour les sourcils. Alors, j'en vois beaucoup circuler sur les vidéos Action. Et je me suis dit, pourquoi pas le prendre. C'est vrai que ça peut aider à faire les sourcils. Vous avez un espèce de petit rasoir, un ciseau, un autre rasoir avec une brosse, une pince à épiler et une espèce de brosse double comme ça. On verra bien ce que ça donne. C'est vrai que moi, je galère un petit peu avec mes sourcils, comme vous pouvez le savoir. Donc, si ça, ça peut m'aider, ben, je dis pourquoi pas. On verra bien. Donc, en tout cas, il n'y avait qu'une seule couleur et je l'ai pris. Je me suis ensuite repris cette petite huile pour les cheveux. Donc, c'est l'huile. Je ne sais pas si c'est de l'huile, mais en tout cas, c'est du liquide. De la marque Biface, je l'avais déjà pris. Franchement, je l'ai trop bien aimé. Là, je suis en train de finir le petit olivier que j'avais acheté chez Noz. Et franchement, c'est une tuerie. Il sent super bon. Il fait très bien en fait, c'est un soin démêlant. Il démêle super bien. Il sent super bon. Il donne les cheveux doux et lisses, etc. Mais j'en ai presque plus. Et je pense qu'à Noz, je ne vais pas le retrouver. Donc, je me suis dit, je vais me rabattre sur celui-ci que j'avais déjà pris. Donc, c'est une huile, on va dire. Sans rinçage, corps et souplesse. Donc, je ne sais pas pourquoi ils disent corps, parce que c'est pour les cheveux. Donc, cheveux revitalisés, brillants et soyeux, pulvérisés, modelés et coiffés. Il fait 250 ml et franchement, c'était le dernier. Donc, je l'ai pris vite. Et je pense que j'en reprendrai d'autres, puisque je sais qu'ils ne sont pas cherchés à Action. Ensuite, je me suis laissée tenter par des pinces à cheveux comme ceci. C'est vrai que moi, je mets des pinces à cheveux, mais un peu plus grosses. Et j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé cela vraiment très mignonne. Donc, du coup, j'ai pris ces deux modèles. Il y en avait bien sûr d'autres. Mais je vais tester déjà sur mes cheveux si ça prend bien. Donc, je pense que c'est du plastique. Ouais, je sais pas. J'en ai pris un avec des petites fleurs et un tout noir comme ça. Il y avait aussi d'autres avec effet zèbre. Non, pas zèbre, effet... tigre là, enfin léopard, voilà. Il y avait léopard, il y avait aussi des bleus, enfin voilà, il y en avait plein. Donc si jamais ça me va pour mes cheveux, j'en reprendrai d'autres parce qu'ils sont pas chers du tout. J'ai ensuite repris un petit photophore comme ceci. J'en avais déjà pris un chez Action bien avant le confinement. Donc du coup, j'ai pas pu vous faire cette vidéo. Alors bon, il y avait pas grand chose dans ma poche. Mais donc je vous le dis, j'en avais déjà acheté un. J'ai mis mes crayons pour les lèvres dedans. Et j'en cherchais un deuxième pour mettre mes crayons pour les yeux, pour la muqueuse. Parce que là, je les ai mis dans un pot à pinceau et j'aimerais le récupérer pour d'autres pinceaux. Du coup, j'ai repris celui-là. J'ai exactement le même pour les autres crayons. Et je le trouve vraiment trop mignon. Donc, il est tout en relief comme ça. Il y avait bien sûr d'autres couleurs. Il y avait du blanc, du vert. Il y avait du rose aussi. Mais comme j'avais déjà pris un en noir, je me suis dit, je vais rester dans la même gamme. Vous avez bien sûr un petit truc qui dépasse comme ça en doré. Mais bon, ça gêne pas, hein, voilà. Mais je le trouve vraiment trop mignon. Ensuite, pour le chéri, je lui ai trouvé des caleçons. Alors, c'est la première fois que je lui prends des caleçons chez Action. On verra bien s'il les aime ou pas. Je sais que c'est la matière qu'il préfère. Je l'ai pris en taille M. Il y en a deux dedans. Vous avez bien sûr plusieurs couleurs. Moi, je lui ai pris du couleur classique parce qu'il n'était pas avec moi. Donc, du coup, j'ai pas trop préféré prendre ce qu'il n'allait pas aimer. Donc du coup, je lui ai pris des couleurs neutres comme ça. Il y en avait avec des motifs, etc. Mais voilà, je lui ai pris cela. Ensuite, je me suis pris une plaque à pizza puisque la mienne commande vraiment à rendre l'âme. Elle est vraiment pourrie. Donc il fallait que je rachète une plaque à pizza. Et moi, elles sont moins chères que chez Jiffy, hein. Je crois que chez Jiffy, ça passe les 5 euros. Et là, c'était 3 euros et quelques. Du coup, j'ai pris celle-là. On verra bien ce que ça donne. Elle fait 32 cm. De toute façon, il faut bien remplacer les plats à un moment donné, hein. Donc, c'est un moule à pizza. Vous pouvez faire d'autres trucs dessus. Donc, c'est très bien. Ça passe pas au lave-vaisselle, par contre. Et voilà. Donc, très contente d'avoir refait. Mais l'autre, il était vraiment pourri. Il fallait vraiment que je le change. J'ai retrouvé les fameux crayons de couleur. Donc, du coup, elle a choisi ceux-là. Au début, je voulais lui prendre les espèces de Bic, les crayons de couleur classiques, en fait. Mais elle a préféré ceux-là. Ils sont plus gros. Il y a un taille crayon. Donc, pourquoi pas. Il y en a 15 à l'intérieur. Il y a beaucoup plus de couleurs que l'autre. Donc, et vous avez le petit taille crayon juste ici.
Du coup, elle a choisi ça, elle pourra bien, bien dessiner. Je me suis laissée tenter par une robe comme ça. Alors franchement, je ne vous cache pas que c'est la première fois de la première fois de la première fois que je vais mettre une robe aussi longue. Bon, à la base, moi, mes robes, elles arrivent aux genoux. Mais je me suis dit, pourquoi pas tester pour cet été, avoir une belle robe comme ça. Alors, il y avait plein de modèles, mais celui-là, franchement, j'ai flashé dessus. Je trouve vraiment le modèle super joli avec les petites bretelles comme ça, tout fin. Vous avez, je crois, un nœud au niveau du milieu. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut toucher la matière parce que moi, des fois, il y a des matières que je ne supporte pas. Et là, franchement, je la trouve vraiment très jolie. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Je l'ai pris en taille M. C'est ce que je fais habituellement. Donc, à mon avis, Action, ça taille quand même bien. Donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment très très longue et c'est, ouais, j'en ai pas du tout de comme ça. Donc c'est une simple, vous voyez un petit cordon pour faire un petit nœud. Mais ouais, elle est vraiment bien et c'est un peu ouvert aussi au niveau des jambes, juste ici. Attendez, hop là, juste là, donc ça peut être sympa pour cet été et la matière est très légère. Donc ça c'est plutôt pas mal quand il fait très très chaud. Donc si elle me plaît bien, je prendrai peut-être d'autres modèles. Il y avait des choses qui faisaient un peu vieillot, des modèles qui faisaient vieillot. Donc oui, moi j'appelle ça comme ça. Bref, mais en tout cas celle-là je la trouvais vraiment trop mignonne, donc je l'ai prise. Ensuite j'ai pris pour la table de la terrasse une nappe parce que c'est vrai que moi la poussière ça vient beaucoup beaucoup. Hier on a mangé avec, avec mon beau-frère, ma famille etc. sur la terrasse, on a fait barbecue, il faisait très très chaud. Et en fait on a une table qui fait table basse et table haute et du coup on a pris celle-là pour manger. Mais c'est vrai qu'elle prend énormément la poussière puisqu'elle est en verre et elle est noire. Donc du coup il faut vraiment que je la protège. Du coup j'ai pris une petite nappe comme ça, nappe été en fait, elle est comme ceci. Voilà, avec des petits, je crois que c'est des hippocampes, des perroquets, oh je sais pas, des perroquets. Donc elle faisait vraiment été et j'ai bien aimé cette nappe. Donc du coup, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est une nappe, c'est une toile cirée qui fait 140 sur 250. Alors nettoyer à l'aide d'un chiffon humide, donc ça c'est bien parce que pour nettoyer c'est plutôt pratique. On verra bien, de toute façon quand je l'ouvrirai, quand je la mettrai, j'essaierai de vous faire une petite photo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va terminer ce haul par deux petites choses pour la cuisine. Je me suis laissée tenter par des torchons. Alors oui, je suis très difficile en torchons. En ce moment, j'utilise les serviettes invitées que vous pouvez prendre pour la salle de bain. Moi, je les utilise en torchons pour l'instant. Mais je me suis laissée tenter par ceux-là. Donc, j'ai pris deux torchons comme ça. En fait, c'est surtout la matière en fait, qui me perturbe sur les torchons classiques en fait. Je ne supporte pas cette matière là en fait. Et j'ai préféré prendre une matière. Alors je sais pas ce que c'est comme matière ça. 100% coton en fait. Donc ouais, 100% coton. Ils font 50 sur 50. Et en plus il y a un petit crochet. Donc ça c'est super bien. J'en ai pris deux de ce modèle là. Il y avait plein de modèles. Donc si vraiment c'est bon, ça reste au nettoyage etc. J'en prendrai d'autres parce que... voilà, je préfère prendre ça que les serviettes invitées. Je préfère les garder pour la salle de bain. Parce que là, du coup, ben, j'en ai plus pour la salle de bain, tout simplement. Et pour terminer mon haul action, je me suis repris un plat à four comme ceci en verre. Donc pareil, j'en ai un qui date de Jérusalem. Et du coup, il a complètement... voilà, c'est tout caca à l'intérieur. Et moi, j'aime pas ça. Du coup, je me suis laissée tenter par un peu le même, mais un peu plus grand. Il est vraiment un peu plus grand. Il y avait deux tailles. Moi, j'ai pris celui 35 par 22 qui fait 2,6 litres. Et il m'a l'air plutôt pas mal. Ils disent qu'il est résistant, qu'il peut aller au congélateur à moins 40 degrés. Il peut aller au lave-vaisselle à plus de 300 degrés. Donc écoutez, pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne au lave-vaisselle. Qu'est-ce que je raconte? Au four. Au four. Mais par contre, ils disent pas s'il va au lave-vaisselle. Mais en général, ce genre de choses, moi, je le mets pas au lave-vaisselle. Donc c'est très bien. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais il fallait absolument que je change aussi le plat à four comme ça. De toute façon, il va falloir qu'au fur et à mesure... c'est rien, c'est mon gazon qui est tombé. Au fur et à mesure, je vais changer mes plats, mes casseroles, mes poêles. Parce qu'au bout d'un moment, il faut les changer, hein, clairement. Donc voilà pour mes petits achats. Donc comme vous avez pu voir, j'ai pas trouvé grand-chose. J'y retournerai peut-être milieu de mois, fin du mois, je sais pas. Puisque là, j'ai vraiment... je voulais retrouver les petits emballages. Alors attendez. Je voulais retrouver un paquet de ça là, mais il n'y en avait plus. Je voulais des lingettes pour le ménage, mais il n'y en avait plus. Des serpillières, il n'y en avait plus. Enfin voilà, il y avait quand même les rayons assez vides. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Puisque j'étais bien contente d'y aller avec ma fille, me promener un petit peu avec elle. Et finalement, ben, j'ai pas trouvé mon bonheur. C'est pas grave, de toute façon j'habite...
Je travaille à côté, donc je peux y aller de temps en temps si vraiment j'ai le temps. Il faudra aussi que je retourne chez Nos, parce que ça fait un moment que j'y suis pas allée. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce haul action. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser des commentaires, des avis sur ce que, peut-être des choses que vous avez déjà testées. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. De vous abonner, d'activer la petite cloche pour rien rater de mes vidéos. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!